Je suis secrétaire général de l'AMAP de plaisir. Chez nous, il n'y a pas de président. On marche en collectif. AMAP, ça veut dire Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Le but est de faire vivre une forme de production et de distribution proche de la population. Bien sûr, des produits locaux et de saison, biologiques. Donc aujourd'hui, on est réunis pour fêter les 10 ans de fonctionnement de notre AMAP. On est assez fiers d'avoir pérennisé notre activité qui au départ était une aventure et qui finalement s'avère être quelque chose de bien en place et bien enraciné. Ben, on est très fiers d'avoir une centaine de personnes dans la cour pour cette fête. Et moi, je me réjouis particulièrement de la diversité des âges. Il y a vraiment des nouveaux-nés et des gens un peu plus âgés, et avec une continuité qui laisse bien augurer de la suite. L'avenir est assuré. L'autre point positif et très militant nous anime, c'est le circuit court, c'est-à-dire que on court-circuite tous les intermédiaires et le fruit de la production va entièrement au producteur. On a du mal à dégager l'énergie nécessaire à fédérer les AMAP locales. Notre souhait sur le plan militant serait d'installer un agriculteur à Plaisir. Plaisir étant une ville périurbaine, classée périurbaine, avec encore beaucoup d'agriculture, mais agriculture céréalière, dont le débouché est international et n'est pas du tout destiné à nourrir la population de la région. Le plaisir de la sobriété, c'est le plaisir de la satisfaction d'une consommation raisonnable, mais aussi la satisfaction de ne pas puiser de façon outrancière dans le bien commun et dans les provisions naturelles.